deux filles et un garçon. Parce que je crois qu'il y a un garçon maintenant. Bon, il n'y a plus de reflet, vous avez vu? Donc c'est très bien. Je peux laisser les lumières allumées. Gagné. Donc ce que vous voyez derrière moi, ce sont tous mes dice. Là. Ici. Et là. Plus. Encore un derrière. Mais bon, il est caché. Voilà, là, ici. Et la machine. Bah là, j'attends que mon téléphone soit fini de charger pour me déplacer et faire quelques découpes. Donc, bah ça va prendre un petit moment. Je vais faire d'autres découpes. Ça change un peu. Toujours avec le même papier. Puisqu'il me reste la moitié de la feuille. Le dos, c'est pas terrible. Parce que j'ai passé 2 heures sur le téléphone. Arrivé là, j'ai réussi à enlever les notifications qui me dérangent. Donc, c'est très bien. Mais le dos, il craque. J'ai pris un Doliprane il y a 1 heure, ça fait pas effet. Donc, voilà quoi, il va falloir que je tape plus fort. Ben, je vais prendre quelque chose contre la fibromyalgie parce que je crois bien que c'en est une. Oui. J'ai les doigts gris. Vous voyez, là. Quand je disais que j'avais les doigts gris. Et encore là, ça va. Et que les articulations. On ne le voyait pas sur le téléphone. J'ai passé un temps fou sur YouTube. Arrivé là, c'était une application, enfin une mise à jour. Qui devait se faire un réglage quoi et bah, je l'ai fait et ça a fonctionné donc là je sais pas si je vais faire une pochette ou des découpes. Je suis en train de me poser la question. Je vais plutôt faire des découpes parce que j'ai besoin de découpes. Bon, je peux les faire dans autre chose, hein. Un autre papier. Alors. Huit déjà dans quel sens on le prend celui-là ça serait mieux je vais prendre mon masticot à découper 15-2 alors dans ce sens-là.
Voilà. Ensuite, 10,8. Ça c'est fait. 11,8 par 10,5. Voilà. Ce qui va donner ça. Alors, hop, je vais faire comme ça. Mon plioir. Alors, ok, je déménage tout. Je vais vous baisser sur mes mains tout de suite après. Là, je suis en train de m'acharner sur la feuille. Voilà. Donc, j'en suis là. Hop. Bon. Là, faut que je découpe. Ciseaux. Ah, d'accord. Attends. Deux. J'en fais ça. Quand même plus pratique quand on a des étagères, hein. Donc, que je me retrouve avec le bon côté. Prendre la colle à bois. Faut toujours un moment c'est parti de gain quoi. Non, ça va, ça colle.
Par contre. Oui, ça va. J'en ai plein les doigts, mais ça va. Donc là, un coup de punch. Voilà, centré. Ah, j'ai oublié les angles. On va faire les angles aussi. Il est en train de s'acharner sur son téléphone. Donc ça fait une jolie petite pochette. Il me reste du papier. Donc je vais faire des petites découpes dessus. J'ai un peu mal au dos quand même. Je vais chercher dans mes découpes de quoi décorer. Celle-là. Non. Celle-ci. Ah, c'est pas mal ça. Je vais mettre celle-ci. On va pas mettre le papillon, hein. On va changer, hein. On va changer un peu. Déjà mis un papillon. Hop. On va attendre que ça sèche. Attendre un peu que ça sèche parce que là, vu qu'elle est rigidifiée. C'est pas évident. Ah, voilà. Regardez. Là, on voit que ça brille. Vous avez vu ça? Regardez comment ça brille. On voit que là. Ça fait une petite pochette. Alors ça fait là. Alors les deux sont trop petites. Ça fait la deuxième. Donc là on va bien mettre le papillon derrière. Celle-là je pourrais la faire mais j'ai les codes dessus. J'aime bien ces papiers, franchement.
Impéria là, c'est très joli. Attendez, je remonte le truc. Voilà. Donc, une petite créa encore pour les. Alors, si vous voulez les cotes, je vais vous les donner tout de suite. Je les redonne. Donc, 10,8 sur 15,2 pour le fond. 11,8 en comptant les rabats pour le devant. Et en hauteur, 10,5 en comptant le rabat du bas. Voilà, donc les rabats. C'est pas énorme. Et avec la colle à bois, ça tient super bien. Voilà. Alors les côtes sont là. Et là. Donc après, il n'y a plus qu'à centrer le. La perforatrice ou le la punch board, enfin j'appelle ça la punch board de chez Action, hein. Moi je fais avec la perforatrice ou alors avec la punch, ça dépend, ça c'est selon mes envies. Là en ce moment avec le papier Sempéria, c'est facile, donc je prends la punch. Quand c'est plus difficile, je prends quelque chose de plus fin, donc la perforatrice en rond. On fait un demi-cercle et puis voilà, ça suffit quoi. Et donc les cartes, les ATLS passent dedans. Voilà. C'est pour ça que je les ai faites. J'en ai fait deux plus petites. Voilà. Là, j'ai loupé. Donc, ça a fait une ouverture plus grande. J'étais trop loin par rapport au demi-cercle. Donc, j'ai fait un prolongement. Voilà, tout simplement. Et celle-là, bon, elle va servir à mettre des petites cartes. Je les laisse avec les autres. Mais sinon, dans mes précédentes vidéos, vous avez les ATLS. Donc j'ai encore tout ça à échanger, hein. Numéro 2, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, 8 et 9. Et à chaque fois, au dos, vous avez une citation. Donc j'ai celle-ci, celle-ci. Attendez parce que c'est accroché. C'est accroché où? Ah ben mince alors. Ah là. Voilà. Celle-ci. Celle-ci. En vert, elle est jolie en vert. Ma mère regarderait cette vidéo, elle me dirait. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors le mot love, j'avais essayé avec le mauvais voile. Bon, il se voit un petit peu quand même, mais je peux pas repasser dessus, malheureusement. Là, il y en a un qui se fait la malle. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on fasse échange, il n'y a pas de problème. Et
je vais me marquer sur mon calepin. Il est où? Je me note sur mon calepin. Sopalin partout. Donc je vais noter pochette TLS hop là, stylo. Règles. Ah oui, je fais les choses proprement. Donc, le fond. Voilà, c'est noté, j'ai plus qu'à gommer. Comme ça, je pourrais mettre une TLS dedans. Gomme. Et voilà. Là, je vais la décorer. Je vais la décorer. Celle-là. Si ça veut bien. Non, ça veut pas. Ça y est. Je vais lui rajouter la petite fleur. Donc, je fais un peu de place. Colle à bois. Et ben voilà, ça colle tout de suite. Enfin, c'est un peu
On voit pas les couleurs, hein, voilà. Hop. Comme ça m'en fait 3. Séparer pour les envois. J'ai plein de gomme sur moi. Voilà, voilà. Eh ben. Bon, après, je peux mettre d'autres choses, hein. Dans les petites. On verra ça plus tard. Parce que comme vous le remarquez, ça empire. Et ouais. Quand je disais qu'ils sont... mes doigts étaient gris, c'est qu'ils sont gris. C'est pas une tache là. J'ai beau frotter, c'est pas une tache. Ça s'en va pas. J'ai les ongles sales, je suis désolée. Je vais me faire une manucure. Si j'arrive à manicurer. Alors bon, j'ai les ongles courts, donc ils sont tout le temps sales. Je ne comprends pas pourquoi. Et là, il n'y a rien en dessous. J'ai beau les faire tous les jours, c'est la même chose. D'accord. Ça, j'arrive pas. Ça y est. Mais c'est une horreur, ces ongles. Je jure que je les fais tous les jours. Et tous les jours, je recommence. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose quand même. Bon, j'ai joué avec les encres. Il y a ça aussi. Bon, c'est mieux, hein. Mais tous les jours, j'ai fait. Tous les jours, il y a encore de la cacade. Et pourtant, je ne fais rien. Le pire, c'est que je les ai fait hier au soir. Je relève les bouteilles.
Bon, ça fait une demi-heure. Je vais vous faire un petit montage. Je vous dis à plus.